Qui gens pour utiliser escalier mécanique? Peut-être que ou pas qu'on est exactement qui ça qui est un escalier mécanique ou qu'on connaît son lotement tout. Eh bien, c'est ça qu'on va regarder là dans la vidéo. On regarde ensemble avec la vidéo ça. Qui gens pour utiliser? Ça va regarder là où il y a les escaliers mécaniques, où il y a les escaliers roulants, ça va le dépendre. Et il y a mon anglais tout. Dans la vidéo, je fait avant, je te montre qui gens pour utiliser un ascenseur, tout processus net. Si ou même vous pouvez vidéo ça, je vous conseille de monter sur la page là, à regarder la vidéo ça, pour que vous parler qui gens pour utiliser l'ascenseur. Mais je vous dis à là, nous parlons pas dans l'ascenseur, nous venons parler de escalier mécanique. Première étape là, lorsque vous venez devant l'escalier mécanique là, allez sous bord droit. Regardez ça bien, allez sous bord droit. Quittez espace pour les gens qui veulent marcher sous bord gauche. Et on même utiliser bord droit là. Et là, vous pouvez monter l'escalier mécanique ça, pour prendre appui, pour sécurité tout, qu'un remplant. Remplant, c'est ça que vous voulez qu'un B là, les a monté là. Après mon gagon bagaille au kembe, bon on dit on fait au kembe mais ça les rampes. OK, donc surtout si escalier mécanique ça li à pic, les va monter sur escalier mécanique gagon façon très spéciale pour monter sur. Si c'est pas façon ça va monter va tomber. Oui, on connait pas connait si nous connait des petites vidéos côté mon a essayé monter puis tomber escalier mécanique là, c'est parce que par contre qui j'en peux utiliser. Et même je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Mais que j'en ai utilisé. Vous avez utilisé l'escalier mécanique. Là, l'escalier arrivé, vous pouvez marcher de bon côté, vous pouvez arriver dans le niveau à terre, dans le niveau à terre même. Pendant que vous arrivez au niveau à terre, vous ne pouvez pas monter. Monter sous lui. Mais lorsque vous montez sous lui, assurez-vous que des pieds dans le temps de ligne jaune que vous avez. Généralement, parce que tout est en ligne jaune. Si vous regardez dans ça là dans la vidéo, ça dans l'image, si vous regardez dans une ligne jaune, et bien sûr que vous n'avez pas mis temps. Depuis que vous n'avez pas mis temps, pas mettre plus sous la ligne jaune, mais vous n'avez pas mis temps. Dans deux, vous faites fort plus au milieu de la ligne jaune. Assez, regardez bien pour nous, ça m'a dit, nous on a vu dans l'image ça, donc vous voyez ça que je veux dire. Vous attendez que l'arrivée à terre, parce que je n'ai pas marché, je marche, vous voyez que vous avez un bout de l'arrivée à terre. Pendant l'arrivée à terre, vous n'avez pas pour monter sur lui. Sous lui et pour juste ranger puis au mettre le milieu ici puis tout au milieu dans demi temps pour passer sur l'espace jaune et pour être bien vague pour guider la peine et automatiquement fin monter sur escalier mécanique là rester immobile l'aime du mobile là où j'étais vague comme si on va non essayer marcher rester immobile qui t'emmène et la maintenant pour côté jusqu'à ce que vous arrivez dans dernier point en l'air escalier. Ça vraiment important pour qu'on. Mais tout, gen moun qui kon décide marcher plutôt. Même je vais regarder dans image ça là, ou pour gen moun qui utilisait et côté comme si yo décide marcher, ou pour moun ça, ou pour yo pas arrêté immobile, y a marché, garder sur l'autre bois pour ou pour moun yo a marché et tout l'autre moun yo sur pas yo arrêté immobile, yo quitté bagay la mené. Et bien, comme ça, si vous décidez de marcher, parce que vous avez même des gens qui n'ont pas décidé de prendre l'ascenseur, vous êtes obligé de marcher par escalier plutôt. C'est de même pour escalier mécanique. Il y a des gens qui n'ont pas décidé de prendre escalier mécanique. Ils décident de marcher comme s'ils utilisaient l'escalier normal. Là. Et bien, comme ça, vous allez utiliser le côté gauche là plutôt. Et parce que si vous utilisez le côté droit là, vous devez être immobile. C'est escalier mécanique pour maintenant. Tandis que si vous utilisez côté droite là, si vous utilisez côté gauche là, je veux dire, ouais, c'est ou même qui vous descend normalement, même si vous avez utilisé un escalier normal. Si c'est monter ou monter, ou du moins c'est descendre ou descendre, automatiquement vous venez dans le dernier match là, sortez sous lui bien rapide, pas dans le dormi, non? Sur le dernier match là, vous venez dans la terre, sortez ploup pour descendre. Et puis tout quitte espace pour l'autre monde. Cap passé bien rapide pour quitter pas gain dormir dans bail ça et me garantis nous si nous fait tout ça on a pi bien utilisé escalier mécanique là. C'est vrai que pas quoi gain bail ça Haïti non mais vous connaissez dans moment là ou du moins ces derniers jours gain pile monde qui quitter pays qui allant l'autre pays et généralement dans presque tout autre pays aller gagner donc
il va arriver sur lui pour sauter sur lui parce que tu as gagné information ça là petit lot. Et m'espérer que l'information ça m'était porté pour être vraiment utile et pas qu'un bel pour seul partager avec un autre monde. Eh bien, nous venons faire une vidéo, ah oui, tout en espérant que vous êtes satisfait, vous êtes joint dans la vidéo ça que nous avons voté pour vous, quand nous avons parlé de qui j'en pour utiliser escalier mécanique, avant nous avons parlé de qui j'en pour utiliser ascenseur, eh bien, nous, dans la vidéo ça, nous avons montré qui j'en pour utiliser mécanique. J'espère que vous comprenez et que vous avez plus bien utilisé le sujet qu'on utilise déjà. Et quand même, quand la vidéo ça, vous avez un barrage, vous avez un barrage, c'est partager la vidéo avec tout à l'heure, tout autant que vous êtes capable de partager avec vos amis qui ont vraiment besoin de ça. Et puis abonner si c'est la première fois, tomber sur la chaîne là. Comme ça, nous allons grandir ensemble. Et on va au courant de quelque soit vidéo intéressant que vous partagez, même les gens avec ça aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous dire la soirée avec vous. On va croiser encore dans notre vidéo. Bye bye tout le monde, à la prochaine.